Le ministère de l'Industrie et des Mines a rendu public hier les listes des prix de sortie d'usine des véhicules légers montés ou fabriqués en Algérie. Je ne comprends pas cette attitude du ministère de l'Industrie, parce que normalement on devrait enquêter sur les prix déjà déclarés. C'est des prix déclarés qui ne sont... Personnellement, je ne suis pas satisfait de ces prix-là. Le ministère aurait dû envoyer ses inspecteurs ou bien à la douane et tout ça, ou demander à la douane, qui est une institution étatique, qui doit au moins nous donner toutes les données sur ces gens qui importent, sur ces usines qui importent des véhicules. Le prix réel, le prix de revient du véhicule, le coût du véhicule, vraiment, ce véhicule, ça ne reflète pas la vérité. Ou bien, il y a un gonflage de factures, sur ce qu'on appelle une surfacturation. Que l'IGF enquête, que le ministère du Commerce enquête. Pour rappel, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, avait affirmé lors d'une conférence de presse qu'il avait animée en marge des premières journées techniques de la sous-traitance véhicule tenue récemment à Alger que l'État veille à ce que les prix des véhicules montés localement soient équivalents à ceux importés.